Pendant toute cette semaine, nous avons un thème. Le thème, non, c'était la miséricorde insondable de Dieu. Comment on dit amen? La miséricorde insondable de Dieu. Ça veut dire que pas de monde qui a sondé miséricorde ça. Amen. Parce que bon Dieu, il est grand monde. Le bon Dieu grand monde, il a fait bagay. Bon Dieu fait monde livrer grâce. Comment on dit amen? Il fait monde livrer miséricorde. Et pas un monde qui a dit rien parce que il est souverain. Comment on dit amen? Le texte que nous gagnons, c'est aussi chapitre 2, du verset 16 jusqu'à la fin. Alors, nous m'apprêtons pour nous faire toute lecture là avec vous. Mais nous gagnons deux versets que nous voulons lire encore à Soya. La Bible dit en Osée chapitre 2, le verset 16, les versets 16 et 17. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Amen. Amen. Dimanche dernier, nous avons fait un rappel pour vous de toute soirée, mais dimanche dernier, nous avons commencé pour nous dire que Dieu li pral relé yon prophète qui s'est osé. Elle pral mandé pour le capable de marier avec une prostituée. Yon prostituée, tout le monde connaît ça. Yon prostituée, son monde qui n'a pas gagné, remène à quel point qu'un monde. Comment on dit amen? Son monde, c'est l'argent qui intéresse elle. Et yon prostituée, pas gagné qu'un monde qui a voulu en affaire avec elle. Madame de l'église, non? Mais la Bible dit que Dieu pral comparer le peuple d'Israël comme une prostituée qui était sa femme. Parce que la Bible dit, Israël était l'épouse de l'Ancien Testament. L'épouse de Dieu dans l'Ancien Testament. En quelque sorte, Dieu pral comparer le peuple ça comme une prostituée parce que en pile fois, yo allé dans l'autre nèg de yo. Comment vous dites amen? Ça veut dire que y a adoré faux dieu. Les dieux que peut-être nous t'es capable briller, les dieux des Amoréens, les dieux des Ammonites et les Moabites. Comment vous dites amen? En quelque sorte, nous t'es dit que Dieu, pas d'accord, il pral susciter un prophète pour que prophète là qu'a comprenne comment lui-même la vive. Comme Dieu. Comme vous dites amen. Certaines fois, Dieu connaît un problème. Parce que fiancé ou bien épouse là, tellement en prostitution. Est-ce que l'église a jusqu'à présent là? Et pour les jours suivants, nous t'ai encore parlé de Dieu dans sa miséricorde. Et nous t'ai dit que Dieu est tellement amour, il n'y a pas qu'à une miséricorde, ça que le parrain. Comme vous dites amen. Et meilleur monde qui a prouvé au miséricorde li, dire l'Éternel, quel que soit monde qui t'a dit remet on, mais à mon bon Dieu, il pas pareil là-dedans. Comme on dit amen. Mais à soya, chers frères et sœurs, nous pas prétendre faire rappel yo parce que il est vraiment tard, mais à soya, nous voulons conclure avec vous pour nous dire que la miséricorde insondable de Dieu. La miséricorde de Dieu, comme tout, pendant toute semaine nous avons dit, c'est la prolongation de la compassion de Dieu. La miséricorde de Dieu est la prolongation de la compassion de Dieu. La miséricorde de Dieu n'est pas sa faiblesse pour que l'homme capable de demeurer dans le péché. Bon Dieu pas fait une miséricorde parce que il est faible, mais il fait nous miséricorde pour que il capte nous du temps pour nous capable sortir dans le péché. Comme même on dit amen. Alors, il y a un peu de monde qui comprennent que le bon Dieu fait une miséricorde, il qu'a demeurer dans le péché. C'est pas ça du tout. Bon Dieu fait une grâce pour qu'il capte nous du temps pour nous sortir dans sa nouille. Est-ce que l'église avait juste à présent? En quelque sorte,
Dieu nous donne du temps, et il nous donne du temps parce qu'il croit que nous pouvons changer. Bon Dieu croit dans le changement de l'homme. Bon Dieu croit que nous avons quitté ça n'a fait. Quand même, on dit amen. Et ça fait bon Dieu voulait investir dans nous parce qu'il croit bagarre a changé. Est-ce que l'église avait jusqu'à présent? Et lorsque nous parlons de la miséricorde de Dieu, nous voyons le pardon. Pas qu'il y ait miséricorde sans que pas qu'il y ait pardon. Et le vrai pardon, c'est Dieu qui a fait ça. Est-ce que l'église a d'accord avec moi? La miséricorde n'exclut jamais. Ou du moins, la miséricorde n'exclut pas vite. La miséricorde donne du temps parce que dans la miséricorde, il y a la deuxième chance. Il y a la troisième chance. En quelque sorte, Dieu nous donne assez de temps pour que nous soyons capables de transformer. Et pendant ce bénin de bas, citation ça, m'a bali encore. Si la nature nous forme, le péché nous déforme. L'école nous informe. L'église nous réforme. Mais seul Dieu peut nous transformer. Transformation, il n'est pas sorti de l'autre côté. C'est en dans l'église qu'elle sorti. Quand même, on dit amen. Et ça fait, il y a un monde qui va venir l'église, la difficile pour nous transformer. Parce que c'est seule la parole qui amène nous à la transformation. Monde qui est d'accord avec moi, amen, complet. Et c'est parce que Dieu est miséricordieux. Il nous a cherchés même quand nous étions païens. Et dans son amour, il nous a choisis et il a restauré nos vies. Pas qu'un monde qui fait chrétien. On devient chrétien. Ou te mettre petit bishop, faut qu'on remette vie à Christ. Chers frères et sœurs, écoutez bien. Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes qualifiés. Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes bons. Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes qualifiés, mais Dieu nous appelle en vue de nous qualifier. Dieu ne nous appelle pas parce que, mais Dieu nous appelle en dépit de. En dépit de gens où il est, bon Dieu relève quand même. Quand même, on dit amen. Bon, en dépit de gens où sortez qu'on fait, mais bon Dieu prend chance de relève. Pour qui ça? Parce qu'elle connaît parole qui a transformé. Quand même, on dit amen. Et parole qui peut transformer, c'est grâce à miséricorde li. Parce que pas qu'un monde qui connaît un monde pas bon pour l'utiliser. Ah, m'attendez de l'église. Pas qu'un monde qui prend chance ça. Si me connaît ou c'est voleur, m'a pas jamais utilisé. Ou comme un monde qui dit amen. Mais bon Dieu prend toute qualité monde et le transforme pour qu'a faire pour qu'a faire royaume que l'a dans le dia. Et en vérité, c'est compilation ça qui bon monde sauver ça. Nous toutes nous sortons dans source. Gen monde là en vérité, papa c'était un gant, mais ça pas empêché jodia pour elle. L'évangile est composé de deux groupes d'hommes. Les juifs convertis et les païens convertis. Quel que soit ce qu'on entendait, ne doit parler race, couleur, ne griche, ne noué, ne pauvre. C'est deux mondes qui gagnent dans le monde là. Les juifs convertis, excusez-moi, dans l'évangile, c'est les juifs convertis et les païens convertis. Comment on dit amen? Raison, parce que Christ est venu pour parmi le peuple d'Israël pour que le peuple ça t'ait porté l'évangile à travers le monde. Mais la Bible dit le peuple n'a pas reçu le Messie. Et ça fait Hébreux dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est pour cette raison que Israël vient pour être corrigé dans une période de temps relée la grande tribulation. Mais la Bible dit que tout le monde qui fait partie des nations,
yo pral recevoir Messia, yo pral yo mette le dans cœur. Est-ce que l'église avait même là? C'est une raison qu'on là où tu choisi accepter Christ malgré ou pas de contemporain Christ. Ou tant de saleté qu'on fait, ou dit non, ça me veut marcher avec elle. Est-ce que l'église avait là? Est-ce que quelqu'un monde là qui te connaît Jésus? Pas quelqu'un qui te connaît Jésus, mais sortant d'elle te connaît fait, ou dit non, ça puissant, me veut marcher avec elle. Est-ce que l'église avait même jusqu'à présent? Ça veut dire que nous, chaque là, Jésus prend nous quelque part. Nous, chaque là, l'éternel prend nous quelque part. Mais il n'y a pas de problème pour le prendre gentil, pour capable rentrer dans le royaume. Exactement, je dis hier soir, il y a une vérité, il y a une bagalité qu'on fait, ou mettre payer le jour, elle va faire encore, parce qu'elle transforme. Quand même, on dit amen. C'est grâce à miséricorde là. Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes qualifiés. Mais Dieu nous appelle en vue de nous qualifier. Si bon Dieu t'a gardé sous erreur nous, il y a un pile dans nous qui t'est révoqué déjà. Ah. Si bon Dieu t'a gardé sous ça n'a fait, moi-même, premier monde qui t'a révoqué, c'est moi-même. Madame Kaké, mes micros encore. Mais c'est pas la miséricorde de Dieu jusqu'à présent ou camper devant toi, non. Parce que le power, selon vous-même, mais le wow en de Christ. Li wè nou à travers Christ. Et c'est privilège ça que moi-même avons nous gagné. La Bible dit que nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Et chers frères et sœurs, écoutez bien. En dépit de genouillé, en dépit de faiblesse nous, en dépit de problèmes, en dépit de défauts nous, mais bon Dieu prend patience avec nous. Si Jodia ou capable bêder, c'est parce qu'elle ne prend pas sa savoir. Est-ce que l'église avait là? Avant un soir, je me déprêchais, je me dis, si Dieu fait grâce, il faut me supporter ça qui est faible. Si bon Dieu fait grâce, il faut songer, il te fait grâce, il prend temps avec eux, il prend patience avec eux, mais au même tout, il faut apprendre, prendre patience avec ça qui est faible. Quand même, on dit amen. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux, ils tellement sentent ses cousins, bon Dieu, ou bien ses amis, bon Dieu, ils sont presque pas capables de l'amour, ils sont tellement spirituels. Un spirituel ça, qui côté ce qui origine, parce que Jésus lui-même, il est tellement humble, c'est base l'évangile Jésus, c'est compassion. En quelque sorte, chers frères et sœurs, j'ai trois exemples dans la Bible là que je vais partager avec vous dans quelques minutes que nous avons passé ensemble. La Bible dit que Dieu va appeler Abraham et tout le monde connaît que Abraham n'était pas né chrétien. Tout le monde le sait. Abraham n'était pas né chrétien. Abraham était né idolâtre. Parce que son père Terah était un fabricant d'idoles et un marchand d'idoles. Cela veut dire que si Abraham était un adorateur d'idoles, un fils de fabricant d'idoles, c'est sûr et certain, Abraham consacrait les adorer idoles bien. Parce que c'est ça que le papa l'a fait. Frère qui a joué, qui bode parce que papa c'est pasteur. Est-ce que vous comprenez ça? Les lever dans l'évangile, les joindre Magala, les mêmes. Les suivre courant. Bon proverbe créole qui dit petite tigre c'est petite chat c'est château. Est-ce que l'église avait là? Ça veut dire si papa a adoré Zitol, en vérité, Abraham bagage l'autre bagage que l'adorer, ces idoles là. Mais écoutez bien, l'histoire révèle nous que Abraham, malgré lui, c'est adorateur d'idoles, mais bon, là, Abraham va le révolter. Parce que, fuck ou intelligent, pour qu'on ait, c'est bon Dieu, nous, bon Dieu, tout le monde. Et ça fait à soi, ma félicité chaque monde qui a accepté Christ déjà, moi, je voulais dire où sont les gens qui sont intelligents. Parce que Abraham,
Papa allait dans le marché, là il vend des idoles. Maintenant, il quitte Abraham à la maison. Abraham commence à jouer au football, il casse son idole. Lorsque Abraham casse l'idole là, son père est revenu du marché. Il va demander à Abraham, mais qui a cassé l'idole? Abraham dit, c'est pendant que m'a joué, l'idole là vient jouer avec moi, il tombe le casser. Papa dit, mon cher, trop stupide, parce que l'idole là pas qu'à déplacer si on ne va pas déplacer. Monsieur, profitez pour le dire, papa, si l'idole là pas qu'à déplacer pour contre lui, mais pour qui ça va même avant? N'a pas d'or, on l'obéit comme ça, comme même qui dit amen. Matin, à soi, je viens de comprendre. En vérité, tout le Dieu, c'est l'obéir, c'est seul Dieu noir qui bon Dieu tout bon. Aïe, aïe. On Dieu qui a gagné, qui a gardé. On Dieu qui a pied qui a marché. On Dieu qui a soleil qui a attendu le palais. Et on Dieu même pas trop coûte pour le river sur vous. C'est pas ça en vérité. Moi-même, avant, nous avons fini encore. C'est parce que son mon Dieu qui est puissant. Et chers frères et sœurs, la Bible dit, Abraham révolté. Mais Abraham a cherché un vrai Dieu pour l'adorer. Il a cherché un monde qui est puissant. Pendant que, avant même de dire ça, oui, bon Dieu va jamais mettre costume marron pour aucun monde. Depuis qu'on a cherché bon Dieu, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Vous avez pris l'alpha et mon téléphone. Vous avez pris l'alpha et dit, Dimbal. Mais bon Dieu, je ne vais jamais mettre costume marron pour aucun monde. De vous chercher avec vous tout vous-même, en vérité, vous avez joué comme vous dites amen. Et la Bible dit, pendant que Abraham a cherché un Dieu pour l'adorer, Dieu a cherché un monde tout pour adorer. À ce moment-là, je viens de dire, vous avez cherché bon Dieu a cherché tout comme vous dites amen. Il a cherché un monde pour faire miséricorde. Il a cherché un monde pour bénir. Il a cherché un monde pour faire grâce. Il a cherché un monde pour faire compassion. Parce que job, c'est ça. Et la Bible dit, Abraham a rencontré avec bon Dieu ça. Et Dieu, malgré Abraham, attendez, oui, t'es qu'on a adoré ces idoles, ça n'a pas empêché l'Éternel pour aller relayer Abraham, papa la foi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que libère Abraham du temps. Pas de l'église, pas de la Bible. Mais il va Abraham du temps pour Abraham qui a fait connaissance avec lui. Jodi a yon moun converti, ou vle pour jeter cigarette là, il te kon fume. Il pa jam bon résultat. Parce que cigarette là, il te addicté à lui. Li ka saute nan 5, li descend nan 2, li descend nan 1. Mais tout d'un coup, il pa ka jeter. C'est patience ça ne pas gagner qui fait l'église à boiter jusqu'à présent. Comme on dit amen. C'est quitter mon en vin janvier et puis la parole à faire reste là comme on dit amen. C'est comme ça nous chercher nan boukris. Mais je dis à des mon entrer li mal habillé nous garder depuis l'entrée, l'en pied rive dans tête. Ça mon en fait, va tourner encore. Des bois toiser, il va tourner non. Avec ou tellement spirituel ou pas garder mon. Est-ce que l'église a compris ce que je dis là? Nous tellement spirituels, nous ne pouvons pas garder les gens qui mal habillés. Nous ne pouvons pas garder les gens qui ont. Est-ce que l'église a fait là? Mais il faut apprendre à tolérer pour nous amener au Christ. Il y a des gens qui ont changé de même côté. Et chers frères et sœurs, Abraham, ça, c'est lui qui va devenir une grande nation. Et l'Éternel campé pour le dire. Les gens qui vont maudire, m'a maudire tout. Les gens qui bénir, m'a bénir. Et nous lisons la Bible, nous connaissons une grande expérience. Abraham a 75 ans et l'Éternel va faire une promesse. Pour dire que. Parce que l'homme servit diable, il y a un bagage de diable à voler pour quand même. Et ça, tout le monde va comprendre. L'homme servit diable, il y a un bagage de voler pour. Mais l'homme accepté Christ, la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et ça fait assurer tout ce que le diable t'avait volé, je te le redonne au nom de Jésus de Nazareth. Non, dis amen encore plus fort et la chose arrivera. Je te le redonne. La deuxième personnalité, c'est Moïse. Écoutez, chers frères et sœurs, chaque personne que Dieu appelle avait une insuffisance, une imperfection. Bon Dieu, parlez les mondes tout le monde. Bon Dieu, il est le faux bon. Moïse avait une renommée de commando. La Bible dit Moïse tuait Égyptien, clo, 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 et puis il mettait l'enterré dans la sable. Ça veut dire que Moïse était un tueur, un meurtrier, mais ça n'a pas empêché que bon Dieu relève.
Et Dieu va la formation. Dieu va la formation pendant 40 ans. Pour qui ça? Parce que l'Éternel doit prendre patience avec Moïse. Parce qu'elle a une responsabilité de berger. Puis devant. Pas de qui était colérique passé Moïse. Moïse était un homme colérique. Et en plus, il bègue. Où est-ce que bègue en colère? Pas passé beaucoup de temps. Parce que tout ça, le bagadio, c'est avec mes labdi. Quand même, je dis amen. Maintenant, Moïse était tellement colérique jusqu'à ce que les Kembe égyptiens le tuent et puis l'enterrent. Moïse n'a pas de patience. Mais après 40 ans, chez Jétro, Moïse tellement de patience, il est prêt pour le mener au peuple. Mais Dieu lui donne un peu de temps, un facteur de temps. Que vous voulez qu'on parle? Il y a des gens qui rentrent dans l'évangile. Depuis que vous pilez, vous voulez quitter l'église. Mais journée et jeudi, ou tellement transformé, les gens qui pilez, c'est où qui dit le pardon. Quelle est la différence là? Dieu libère assez de temps pour capable transformer. Et leur vie transformer ou des capacités pour transformer l'autre monde. C'est comme ça le royaume n'a fonctionné. Dieu accorde du temps. Et puis ou même, ou va faire l'autre disciple. Même ça, bon Dieu fait pour vous, ou fait pour l'autre. Est-ce que l'église avait jusqu'à présent? La troisième personnalité, David. La Bible dit que David va expérimenter la miséricorde de Dieu. Comment? Parce que David était le fils d'Isaïe, rejeté par ses frères et oublié par son propre père. Assam vient dire, lorsqu'on te rejette, mais la miséricorde se souviendra de toi. Les oubliés, les mouns enfants ont abandonné. Mais en vérité, miséricorde, bon Dieu, j'en brille, attendez. Vous comprenez pour qui ça? David. L'Éternel gagne Jésus lui-même. Nous disons avant un soir ou bien pendant la semaine. Bon Dieu, qui pitié pour tout le monde qui a souffert dans le royaume. Pourquoi les frères de David n'étaient pas fiers de David? Parce que David était l'enfant d'une servante. Comme papa n'a pas catouillé, mais papa Isaïe dit ça, c'est pas petit. Mais comme gagné. Mouton yo. Li voye monsieur nan rage ya pour bête sauvage manger. Est-ce que l'église avait m'la? M'a kon kote yo vous jeter, mais à soi m'vin di ou miséricorde a ramasse ou dané. Ah, miséricorde a ramasse ou, miséricorde a pleuvé ou. Et si ou di amen, moi le ciel ka fò miséricorde a soya. Et la Bible dit David va devenir le roi d'Israël, le second roi. Comment qu'on comprend? Yon nèg qui rejeté, yon nèg qui abandonné, yon nèg qui pas gen personne. Et d'ailleurs dans sélection, yon pas même cité non. A soi m'vin di ou, les non pas cité, miséricorde la cité, comme on dit amen. Les non pas cité, le ciel la cité non. Est-ce que l'église avait là? Tout le monde a oublié, tout le monde a abandonné, mais en vérité, de vous que miséricorde bon Dieu dans la vie, tu ne seras pas oublié. Tu ne seras pas oublié. Il y a quelqu'un qui se souvient de toi. Et son nom est Jéhovah. Même si tout le monde oublie, même pour ne pas oublier dans le royaume. Est-ce que l'église avait là? Et la Bible dit, chers frères et sœurs, David va devenir le roi d'Israël. Devant ses propres frères qui l'humiliaient. Devant tout le monde qui t'a humilié. Devant tout le monde. Qui t'a dit le pape en rien? Dieu va le lever en dignité. Et quand ça me remet, je dis au monde à soi. Bon Dieu va lever derrière l'ennemi. Et ça fait couper
couper une prière ça sec à faire Seigneur tout y ennemi. Bon Dieu pas qu'à tout y ennemi. S'il tout y l'élève à ennemi en pas jamais élévation, c'est pour le ciel qui t'est ennemi en vivre pour bouche lui dit à travers ou même de miséricorde. Est-ce que le guide avec là si ou avec maman amen encore si a, si m'ai deux moun avec maman deux amen si m'ai trois moun maman trois amen devant ennemi là pour le ciel levez miséricorde. Est-ce que le guide avec là sous d'accord maman amen encore et m'a faut comprendre nos bagailles devant lorsque le roi Pharaon a fait transmission de pouvoir, ou bien transition de pouvoir, à Joseph. Si on est retiré collier dans coul, pour le mettre dans coul l'autre, il retiré anneau dans coul, pour le mettre dans droit ton l'autre, ou comme ça le veut dire, il veut dire m'baron encore, c'est ou quoi? M'la comme un symbole, m'la comme un mentor, même bon pays. Est-ce que l'église avait là? Et puis habillé monsieur de finlin. Ça veut dire que c'est pour montrer que monsieur démissionnait tête li, li ba l'autre là. Donc maman nous dit bagaille. Le bagage a fait Potiphar là avec madame ni. Bon Dieu pas frère derrière ennemi on non en vérité miséricorde qui dans la vie là, la fait tout ennemi dit que bon Dieu va aider tout bon. Aïe aïe aïe. S'il y a quelqu'un de cette salle qui est oublié, je veux dire à toi ce soir que la miséricorde se souviendra de toi. Et ta route sera couverte de miséricorde. En vérité, à soi, je viens de dire que moi-même, avec nous pas n'importe qui. Moi-même, avec nous pas n'importe qui. Nous c'est mon qui a miséricorde sur la vie, comme mon qui dit amen. Et David allait plus loin pour le dire, oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Assois au nom puissant de Jésus de Nazareth, c'est pour bonheur avec grâce accompagner. C'est pour bonheur avec grâce accompagner. Et c'est pour compassion le renouveler chaque matin sous la vie, sous la vie petite, sous la vie, sous la vie madame, sous la vie Marie, dans finance et sous dit amen, on met ton saut sous un dia matin. Après cette semaine, vous entrerez dans des bénédictions hors du commun. Dans des témoignages hors du commun. La miséricorde de Dieu va vous donner des témoignages. Côté papa, on va t'entrer, on va rentrer là. Côté maman, on va avoir des chances pour aller, on va aller là. Porte que moun bat ouvert à pouvelle. Porte famille ou bat jam ouvert à pouvelle. Moi, si la miséricorde va accompagner. Tout le monde va réussir. Miséricorde va abandonner. Que la miséricorde fasse route avec toi. Jusqu'au long de ton chemin, tu auras miséricorde. Ta maison sera couverte de la miséricorde. Tes enfants seront couverts de la miséricorde. Pendant ma dit ça, dis amen. Qu'en vérité, ta vie sera couverte de la miséricorde. Et si tu dis amen encore, la chose arrivera. Que tu sois couvert de la miséricorde. Non, ta vie sera couverte de la miséricorde. Dieu reposera la miséricorde sur votre maison. Et au nom puissant de Jésus ce soir, tu ne peux pas être la queue, mais tu seras la tête. Tu ne peux pas être derrière, mais tu seras devant. Tu ne peux pas être en bas, mais tu seras en haut. La miséricorde fera route pour toi. La miséricorde divine fera route pour toi. Au nom de Jésus. Et pour me finir, soyez. Écoutez. Nous sommes bénis selon l'ordre de Melchisédek. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était aveugle de naissance. Pendant qu'il va rencontrer Jésus, les disciples dirent à Jésus, qui péché nous ça fait? Ou bien qui péché parent le fait pour le fait comme ça? Jésus dit non, je n'ai pas rien pour louer avec parent. Ce n'est pas ni papa ni maman qui péchait, ni c'est pas lui-même qui péchait. Mais Jean où elle est, c'est pour gloire de Dieu qui a manifesté.
Ça me tire dans le texte. Nous sommes bénis selon l'ordre de Melchizedek. Ça veut dire que si diable t'es condamné papa, mais on ne va pas condamner. Si diable t'es condamné maman, en vérité on ne va pas condamner. Si on passe des moments difficiles, même toi, tu passeras des moments faciles. Avec la miséricorde de Dieu, en vérité, on ne va pas échouer ou après réussir. Comme on dit amen. Pourquoi? Même si papa on sait le faire, maman on sait le faire. Si ton père a échoué, mais toi tu n'échoueras pas. Parce qu'à partir de toi, ça doit s'arrêter. La malédiction qui est sur la famille doit s'arrêter à partir de toi. Quand même, on dit amen. Parce que toi, tu es de la descendance d'Abraham. Biologiquement, je suis petit papa. Mais spirituellement, je suis descendant d'Abraham. Nous descendons d'Isaac. Et la Bible dit que descendants d'Isaac, ce sont de la descendance des étoiles. Parce qu'il y avait deux. Abraham avait deux fils que la Bible parlait tellement de eux, Ismaël et Isaac. Nous ne sommes pas de la descendance d'Ismaël, chers frères et sœurs. Nous sommes de la descendance d'Isaac. Et normalement, la Bible dit que la même terre qui a été un problème pour les autres a été fertile pour Isaac. Ça me veut dire ou pas là, même si ils vont côté, ils ne pas vivre, mais au même on va vivre quand même. Si quelqu'un qui a crié ou même appris, comme on dit amen. Si quelqu'un fait noir ou même le soleil est obligé d'éclairer sur vous, si vous dites amen, le ciel a fait lui. Nous sommes bénis selon l'ordre de Melchizedek. Parce que Melchizedek n'avait pas de généalogie. Par exemple, on dit qu'on est sorti. C'était une représentation ou bien une préfiguration de Christ. En quelque sorte, je viens de dire que. Ou pas qu'à échouer, ou pas qu'à échouer parce qu'on pas héritier papa ouvrier. Ah. Ou pas qu'à échouer parce qu'on pas héritier race ouvrier. Comme on dit amen. Non, héritier Christ. Le mot échec n'existe pas dans le calendrier de Dieu. Et cela veut dire, chers frères et sœurs, une fois que nous sommes de la descendance d'Isaac, nous sommes de la race des étoiles. Parce que c'est mais. Qui est étoile la barrette? La journée ou bien la nuit? Qui est étoile la éclairer plus? C'est l'elfe noir. Ça me le dit pas là. L'elfe noir pour l'autre monde, il est obligé de faire jour pour vous. Ah, m'attendez qui ça. À cause de la miséricorde de Dieu, la fait jour pour vous. Parce que étoile, c'est l'elfe noir le clé. Il y a un capitaine pour danser sous tête, oui. Il y a un capitaine mal arrivé. Il y a un mauvais moment arrivé. Il y a tant de mari à mourir. Il y a tant de madame n'a fini. Il y a tant de petites à prendre un problème. Il y a tant de petites à prendre route prison. Mais assoir au nom de Jésus de Nazareth, à cause de la miséricorde de Dieu, en vérité, le Seigneur a fait grâce. Que la faveur de Dieu, la faveur divine, fasse route pour toi. Et si tu dis amen encore. Dernier bagage, je voulais partager à vous. Dernier bagage, je finis là. Parce que je m'avais quitté. Oh, mes amis, il est vous aller. De monsieur qui travaille. Très bien. Pas de monde. Pas de monde. Là, qui a dit le pas béni. Vous comprenez, première raison. Si vous avez dit ça, vous êtes ingrat. Première raison, il y a 1 million de monde qui t'a remis sur le chèze. Avant, ça me dit ça. Il y a des gens qui ont vendu le caillou pour venir là. Raquette manger comme là. Yo style d'Haïti ou Bédika là. Mais le ciel font exercice pour. Gen moun la pa gen papier. Est-ce que l'église avait là? Si c'est pour papier, nous pa gen papier. Si c'est pour si c'est pour famille ou pa gen famille. Je dis à gen pile moun ka prè le cousin parce que bon Dieu fait ou d'abord. Gen pile moun ka pa se figurer le cousin, c'est parce que bon Dieu fait ou d'abord. Mais bien. Les affaires pas de bon, ils critiquent. Mais les bons, tu commences à bénir. Coup d'œil, aïe, 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 aïe,
du sable, yon l'autre a ses postérités des étoiles. Ça fait m'dou ça. Et ça fait la Bible dit, en Jérémie chapitre 1, verset 10, la Bible dit que je t'ai établi sur les nations. Tout ce qui est sûr influence tout ce qui est dans. Souvent l'air ou dominer tout ça en bas. Ça veut dire Dieu nous a donné une position de domination à cause de miséricorde là. Position qu'on regagne à Christ là, son position de domination. En quelque sorte, Ismaël est de la postérité du sable. Pourquoi? Parce que lorsque Agar, Abraham mettait au dehors avec Ismaël, le rive dans le désert là. Ça avec un petit bail de l'eau de l'amel. De l'eau a fini, Ismaël a crié. Maintenant, pour qui ça? Ismaël a crié, le soif de l'eau. Agar tombe et crié tout, comme même on dit amen. Et la Bible dit, Dieu va envoyer un ange qui va creuser un puits. Et c'est de l'eau ça que Ismaël prend le bois. L'eau du sable. Est-ce que l'église est là? Et ça fait tous les musulmans, c'est pas faute que l'eau a prié. Parce que c'est la descendance d'Ismaël. Les ont prié, obligé de baisser tête pour prier. Parce que, parce que Dieu en pas en l'air, c'est en balier. Mais nous-mêmes, qui avons prié l'éternel, nous ne pouvons pas mettre tête nous à terre. Nous devons lever tête nous pour nous dire même à David, d'où me viendra le secours? Le secours ne me vient pas de l'homme. Le secours ne me vient pas de la terre. Mais le secours me vient de celui qui a créé les cieux, c'est la terre. Si le secours sont nommé l'éternel, même j'avais, bah, j'ai un applaudissement. À cause de miséricorde, la vie ou pas qu'à passer mal donné. À cause de miséricorde qui sous la vous là, en vérité petit ou pas qu'à passer mal. À cause de miséricorde là, ou a fini collège là quand même. À cause de miséricorde là, ou a passé bot là quand même. À cause de miséricorde là, ou pas qu'à mettre au dehors dans le travail là. À cause de miséricorde là, tu ne seras jamais la queue, mais tu as une position d'élévation. Si moun pas qu'à payer caille, non a payer caille là quand même. Si ou pas qu'à payer mon guetja, ou a toujours qu'à payer. Parce que miséricorde là, li pas jamais la guéo, sous d'accord avec moi, dans mon dernier amen. Que Dieu nous fasse miséricorde. 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 Que Dieu vous fasse miséricorde. Que la miséricorde de Dieu soit avec vous. Que la miséricorde de Dieu soit avec vous. Tous les jours de votre vie. Et dis amen encore. Merci, que Dieu vous bénisse. Continuez à acclamer le Seigneur ce soir.